savais que ça allait être comique et... Bon, faut quand même être honnête, il y a des moments où le bateau tapait très fort et on n'avait pas envie d'aller tellement plus vite. On est content d'avoir navigué comme on a navigué et d'avoir résultat, d'être là où on est en parfait état de marche, ou presque. Je me suis abîmé l'œil tout à l'heure en faisant une manœuvre à l'avant et à 40 nœuds, faut être bien accroché. Regardez-moi ça. J'avais peur. Je veux pas y aller. Non, 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 on a fait demi-tour. C'est là-bas. Au soleil. Et ça va donner beaucoup de vent, tu penses? On va voir dans pas longtemps. Les glissades sous des lacs, là, c'est vraiment sympa. Cool, on est dans la Lysée. Ça trace. On va plus 32 là. Là, dans l'instant, il y a un petit nuage au-dessus de nous qui nous met du refus. On part un peu dans l'ouest. Il y a du vent assez fort, là, il y a 25 nœuds. Tout à l'heure, il y avait plutôt 20 nœuds. Donc, on aille vite, mais qu'on soit vigilant. Face, on a 19 supérieurs. C'est des petits grains, on les voit pas au photostat et la nuit, moi je les voyais pas, quoi. C'est ce matin que j'ai commencé à les deviner et que je me suis dit là, moi j'avais passé, il y avait plus l'île devant nous, je pense que toute la nuit on a fait, il avançait avec nous hein, et on butait dedans à chaque fois. Le premier jab était bien placé, on a fait un super début de bord et après on a enchaîné les grains, c'était impossible. Enfin, le ciel s'est rééclairci, donc c'est mieux, c'est régulier, ouais. Il n'y a pas ça.